qu'elles-mêmes, elles ne collent pas leur image à la sienne. Ou Donc, on toi, Begini, dénigre le quand tu président, c'est viens là-bas dans qu'elle est. un pays où on dénigre le président, c'est C'est là-bas là-bas qu'elle se qu'elle est. promène. Moi, Où on bien sûr. dénigre le président, et puis elle fait chanson de Até Gringri Tous les en jours. affichant la photo du président derrière, Non, non. comment on appelle ça, de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, qu'elle est soutient, elle a le droit de soutenir qui elle veut. Hein. Mais il ne faut pas qu'elle mélange ses problèmes politiques à votre problème, parce que je suppose que vous êtes apolitique. On Pas est seulement d'accord. la Voilà. partie Mais politique, d'accord. elle va venir avec partout, avec la doigt quand Kabonaïe, les Kayako, Benyami, Kadama. C'est tout ce qu'elle va faire. Et vous allez vous asseoir un jour pour dire que je vous avais dit. C'est tout ce qu'elle va réussir à faire. Sinon, ses collègues chanteuses comme les reines Pélagie, là. Oloubès, Manamana, en temps normal, une vieille, en plus de se croire musulmane, d'après toi, tu partais à la Mecque. Il y a des choses dans lesquelles on ne devrait même pas te voir. Voilà. Mais te voilà parmi les enfants en train de traîner par terre. Et puis, n'importe qui peut te dire n'importe quoi quand il veut, c'est que c'est venu de toi. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Moi, la partie où, bon, les gens de Atégrigui, ceux qui sont en train d'écrire, non, que c'est à cause des Afo et autres, là, moi, je pense pas que c'est à cause de ça. C'est le côté du président seulement que, moi, c'est juste la partie là que j'aime pas. Mais sinon, le problème de ce qui se passe entre Afo et autres, les trucs comme ça, c'est pas mon problème. Mais le côté du président seulement, la partie là, ça, c'est Ah, pas le bien. côté du président, là, ça aussi, c'est la partie qui nous dérange, nous tous. Ah Parce que bah oui, si tu moi n'aimes pas le c'est juste président, la partie là tu qui n'aimes pas dérange le président, un mais tu te peu. promènes avec sa fille l'honorable. Voilà, Moi, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. c'est juste la C'est-à-dire partie que là. moi-même, je veux comprendre. C'est-à-dire que l'honorable elle-même, c'est-à-dire qu'elle-même, là, elle n'aime pas aussi le président. C'est ce que ça Non, sous-entend. c'est bon, c'est Ouais, pas si tu aimes ça. ton, si tu aimes ton papa, là, rien Exact. qu'il y a ton papa, tu peux même pas t'afficher avec la personne. Pour le respect de ton papa, même déjà. Pour le respect de ton père, tu peux pas t'afficher avec quelqu'un qui déteste ton père. Voilà. Ça veut dire que, par ricochet, toi-même, tu as un souci avec ton père. C'est tout. Sinon, moi, elle n'aime pas mon papa. Il fait quoi, elle? On s'est dit quoi? Si moi, il me tape la poitrine, c'est pas à cause de mon papa, là. Mais toi, tu as venu t'associer à moi, alors que tu dis que tu n'aimes pas mon papa. On s'en va où? On se dit quoi? Mais Voilà. Yaka, tu n'as Si tu pas as tes compris problèmes, le conseil. tu as tes problèmes personnels avec Kafou Keïta, tu règles ça avec Kafou Keïta. Voilà. Moi aussi, j'ai mes problèmes avec Kafou Keïta. Mais mon papa s'unit. Parce que ça, c'est du aide-moi. Toutes les relations qu'on fait sur quelqu'un, là. C'est-à-dire que quand les gens s'unissent pour détester quelqu'un, là, ce n'est pas les relations qui durent. Hein. Non, ça ne va pas quelque part. Parce que vous avez un ennemi commun, donc vous allez vous mettre ensemble pour pouvoir combattre l'ennemi, là. Ça ne va pas aller loin. Ah, c'est vrai. Cette amitié ne va pas loin. Donc, Honorable même doit se ressaisir pendant qu'il est temps. Et puis savoir qui elle doit marcher. De toute façon que moi je les vois les trois, elle et puis comment elle s'appelle, Kandia Camara et puis Nathana Batouré là. Elles forment leur trio. Ce sont les braves femmes du pays. Elles sont c'est les vraies guerrières du pays. Elles sont ensemble là. Elle n'a qu'à rester là-bas. Elle n'a Moi, qu'à quitter dans ce qu'elle est là. je pense pas que Honorable marche avec Aïcha. Hein? Non, moi, je pense pas. Ah. Personne ne l'a vu encore Attends, on dirait depuis. que Monsieur Keïta, tu veux intervenir, on dirait. Voilà. Ou bien, Monsieur Keïta. Oui, comment vous allez? Ah, ça va et toi-même? J'ai calé. Non, moi, je suis en train de l'écouter. Ah, j'ai cru que tu voulais intervenir. Ok, ben. Donc, j'écoute, je vais intervenir quand je vais comprendre le sujet très bien. D'accord. Voilà, c'est Ok. important d'écouter, et puis C'est voilà. ça. En tout cas, c'est Je fais clair. cette analyse, et puis voilà. C'est clair. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Mais en tout cas, c'est une bonne initiative de Ah. réconcilier, de diviser. Essaie de réconcilier. Normalement, toi-même qui es censé être la maman Africa, tu dois être celle-là même là qui aide, qui aide hein, les gens à se réconcilier, qui incite les gens à se réconcilier. Tu dois être celle-là qui essaie de faire comprendre aux uns et aux autres que la vie ne tient qu'à un fil et que nous ne sommes rien, voilà, que poussière. Et que on est tous égaux et qu'on doit être unis pour être forts. Mais toi, quand il y a un problème entre tes enfants, tu prends parti. Ah, il y a un problème entre tes enfants, tu prends parti. Toi-même étant la maman. Mais ça veut dire que tu n'es pas une bonne mère. Mais On est Yaka, d'accord? vous savez, dans la vie aussi, la sagesse, là, ça tourne pas sur la tête de tout le monde. Ça, Hein, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, je te l'accorde, mais à 3000%. C'est pas voilà. parce qu'on est âgé qu'on est sage, effectivement. Voilà, arrivé à un certain moment, on traverse tellement de problèmes que nous avons créés depuis le départ. Donc la suite, c'est toujours dangereux de se prononcer. Donc du coup,
Je pense que c'est pas le choix qu'elle devait faire, mais bon, Ah ben voilà. on peut pas tout guider. Voilà, c'est ça. Voilà une Fatim Doumbia qui me dit, Yaka, avec ce que tu es en train de faire, là, tu pourras pas réconcilier les deux artistes là, voilà. Bah chérie, tu sais quoi, ce que je suis en train de faire là, le travail que moi je suis en train de faire là, c'est justement celle-là qui est en train de gâter le travail que je suis en train de faire. C'est pour ça que je la critique. C'est elle qui va me rendre ce travail là difficile. Non, ça va, elle, ça va pas. Elle qui devrait me faciliter la tâche, c'est elle qui est en train de me rendre le travail difficile avec son comportement. Et je vais pas me gêner pour la critiquer. Je vais même pas me gêner. Tu peux compter sur moi pour ça. Voilà. Que toi, vous, tu... Je pense que ça va voilà. bien se passer. On va continuer. Sinon, le on travail va... que je suis en train de faire là, c'est elle qui devrait être à la base en bas en train de me donner des conseils pour que, voilà. pour que ça réussisse, pour que ça se passe bien avec son expérience. Voilà. C'est pas elle qui doit prendre parti pour me rendre la tâche difficile. Donc souvent là, apprenez à retrouver vos cerveaux avant de vous jeter sur les commentaires. Quand tu te réveilles et puis tu as laissé ton cerveau quelque part là, faut essayer de retrouver, tu remets en place avant d'écrire commentaires. Voyez, souvent, vous écrivez des commentaires qui vous font passer pour des personnes bêtes. Et c'est dommage. Salam alaikum. Non, mon grand, en fait, t'as tout dit. Et ma sœur, toi là, tu as changé ton profil. Faut pas mélanger débat de Yaka Yaka. Tu vas dire, et Bigini l'a fait comme ça, elle a fait comme ça. Toi, tu es fan de Maramba. Elle n'est pas parlé de fan de Maramba. Elle n'est pas parlé fan de Bigini. Elle est en train de parler que la paix. On ne pas parler bizarre. Kadi plus non, là. Non, mais faisons tu es rentré là. Non, attends. Faisons tu es rentré là. On ne rentre pas comme déjà tu es rentré. Écoute ma chérie, tu es monté déjà. On ne t'a pas donné la parole. Tu as trouvé des gens ici. Quand tu prends un, quand on prend une illettrée. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui manque. Mais c'est pas moi qui l'ai fait monter en plus. Ne faites pas monter tout le monde, s'il vous plaît. Maintenant, il est en train de voir qu'il y a un cervelle. Il n'a réfléchi même. Jamais qu'il n'a même pas de cerveau. Qui sort un cervelle. Non, ça va, ça va, toi, je n'y frappe pas. Laissez-moi 5 minutes, il a frappé un peu. Donnez-moi 5 minutes, je vais donner une éducation que ses parents ne lui ont jamais donnée. Elle doit prendre son éducation. Ça ne sert à rien, vous laissez. Parce que tellement qu'elles ne sont pas intelligentes. Franchement, tu as déjà dit, elle est pardon, c'est bon. Il y a quoi de mal ici? C'est bon, pardon. Il y a pas déjà réglé. Il y a un maraba qui est ici. Frère. Tu prends ton maramba, tu vas dans le pays, tu péris, tu vas dans le pays, tu t'encules là. Pardon, mon frère, c'est bon. C'est bon. S'il te plaît, l'ignorance a pour but pour répondre à certaines personnes. Mais elles sont trop sévères. C'est les gens qui n'ont pas de cerveau. Et là, c'est qu'elle avait.